N'a pas retourné dans l'aéroport avec Anne-Marguerite Auguste, nous invitons. Des forces armées d'Haïti. Chers amis de la presse, bonsoir et bienvenue à ce point de presse du président de la République, son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, suite à sa participation à la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies qui se tenait à New York aux États-Unis d'Amérique. Monsieur le Président, à vous le micro. Merci. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, grand commis l'État qui l'a, haut état-major, l'armée, haut commandement police, là, Frère Maxime. Je suis content, en pile, tourner dans le pays. Là. Après 6 jours que je suis passé, et je suis parlé. Il y a un pile bagaille dans New York, dans l'Assemblée générale Nations Unies. Songez que chaque année, un pile président, un pile premier ministre, c'est là que vous rencontrez pour parler des affaires pays, sur le plan économique, sur le plan environnemental, vous parlez de technologie, parler qui gens pour créer plus de travail. Pour couper le chômage et éliminer l'inégalité et la misère qui vient dans le pays. Et délégation, qui arrive à New York, nous connaissons que je suis passé par Cap Haïtien parce que je suis participé à la messe intronisation archevêque. Saturné, l'homme fini mon avion au Cap. D'ailleurs, c'est un nombre qui était fait compatriote, nous fier en pile, autant de que c'est au Cap, moi je suis sorti, pour qui raison. Je suis entré à New York en passant par Miami. Mais on était content en pile. Les grands piles mon local qui demandaient qu'il ait l'aéroport par abrigé pour mon sorti dans le sud d'où, même j'ai mon cas dans le nord pour entrer aux États-Unis. Lundi matin, bonheur, nous avons commencé le travail. Fon dit qu'il y a une grande équipe qui était partie avec moi, qui était un membre dans le cabinet particulièrement, un pile conseiller, le monde qui tape travail en Haïti, qui part avec moi l'autre bois. Il dit, mais avec technologie, ça te fait qu'en temps réel, toute information, correction que nous avons fait à la minute. C'est des gens qui sur place en Haïti et l'autre qui était New York qui t'a travaillé ensemble parce que le message que nous avons c'était des messages précis, concis et directs et qui étaient là pour des intérêts du pays d'Haïti. Tant qu'on a un forum qui est le Climate Week New York City, qui a participé à côté du président Il Marshall. On pays qui a confronté le même problème avec nous. Nous avons participé dans le forum avec le Premier ministre de Nouvelle-Zélande, président Pérou et gouverneur Californie. Nous-mêmes, nous sommes clairs pour nous dire que je veux dire, nous sommes un pays qui n'a pas produit gaz à effet de serre, j'avais dit, qui a produit une petite quantité. Et pourtant, c'est nous-mêmes qui avons payé tout pour casser. Par exemple, cyclone Mathieu. En 2016, il témoignait Haïti perdu plus passé 2,7 milliards de dollars d'après le rapport que la Banque mondiale a fait. Ça veut dire qu'il y a 32% pays de nous qui n'ont pas parti aller dans le cyclone Mathieu pendant moins que 3 jours. Nous sommes clairs pour nous dire aujourd'hui, dans les affaires courant 24 sur 24 dans le palais, nous préconisons les énergies renouvelables. Ça veut dire que nous parlons d'énergie éolienne, solaire, hydroélectrique et biomasse. D'ailleurs, nous mettons accent sur l'énergie solaire pour j'en ai regardé pendant 8 dernières années, de 2010 à 2018, comment le prix de l'énergie solaire a plongé descendre dans le monde. Ça veut dire que c'est un coût 1 watt d'énergie solaire côté pays dans l'année 2010, qui est environ
$3-4, je dis les couteaux aux environs de $1. Elle dit c'est pour montrer que les technologies, il y a plus performant. C'est pour montrer comment Haïti a une grosse opportunité avec environ 300 jours soleil que nous avons à travers tout le pays. Et puis, mon lieu dans le fait noir. Dans la soirée lundi, j'ai participé à un dîner avec le président Trump. Nous avons fait un bon parti dans la nuit ensemble. Ensuite, dans demain, 25 septembre, nous avons participé à un gros déjeuner avec tout l'autre chef d'État et chef gouvernement pour nous parler de problèmes mondiaux, problèmes de sécurité, problèmes environnementaux. C'est deux problèmes qui ont fait actualité dans le déjeuner. Et puis après, je suis allé au sommet qui est le Concordia Annual Summit. Les mêmes sont prestigieuses organisations Concordia et les mêmes qui font sommet ça chaque année. Et côté société civile américaine qui réunit en pile monde de divers horizons pour débattre des questions qui sont plus importantes dans le monde. Là. Et moi-même, je suis profité pour me présenter le dispositif que le gouvernement haïtien prend dans les affaires catastrophes naturelles et désastres. Et moi, j'ai un pile d'informations qui sont venues de direction pour protection civile à travers le ministère intérieur. Et nous avons fait un gros palais sous affaire accord de Paris que nous-mêmes nous signons. Et c'est accord ça qui est venu à faire fond vert là. Fond vert là, c'est un coup son corps qu'il a pour tout pays qui a un problème pour être capable améliorer la résilience dans les affaires de règlement climatique. Mais malheureusement, après accord Paris fin signé, fond vers la fin montée, bon, l'autre sommet qui était fait, nous voulons parler du sommet One Planet, que nous avons assisté dans le pays de la France, plus précisément dans la ville de Paris, en décembre 2017. Et jusqu'à présent, nous attendons nous que un pile gros l'argent pour mettre, mais jusqu'on y a. C'est review page pour que j'aime réalité. Et nous-mêmes, nous parlons, nous n'avons pas nous l'autre pays tout, qui sont des pays qui ont plus de problèmes, par exemple, pays dans le Caraïbes là, des pays jusqu'à présent qui peuvent lever de cyclone Irma qui était passé, qui crasait pays net. Nous te font plaidoyer pour nous dire pays saillot avec Haïti. Nous pas des pays qui a produit un pile gaz à effet de serre et pourtant chaque cyclone qui passe, c'est nous-mêmes qui l'a pour payer pour casser. Et là nous parler de résilience pour tout le monde comprendre. Jean mon a bâti caille dans zone qui réputée cyclone qu'on passe dans le roi. Faut nous changer habitude ça. Et pour habitude de changer, ce n'est pas habitude seulement, c'est quantité qu'on peut bâtir à tout. Ça veut dire qu'il faut nous avoir des matériaux qui ont fait des cailles pour nous faire des cailles parasismiques, paracycloniques. Et malheureusement, nous connaissons pour nous en Haïti, ce n'est pas ça qui fait chaque jour. Parfois, la construction nous laisse à désirer. Et dans mardi, moi j'ai participé dans l'ONU, nos gros rencontres sous affaire élimination choléra à l'horizon 2022. Et il faut nous dire, rencontre de haut niveau, ça nous est clair. Pour nous dire d'ailleurs, ce n'est pas nous-mêmes qui disons, mais c'est l'ONU, dans le premier temps, qui était d'accord avec responsabilité. Et si vous êtes d'accord avec responsabilité, il faut assumer. Et là, nous dit faut assumer, il y a deux approches que le secrétaire général là. Il prend la première approche, là, c'est compensation victime. Deuxième, c'est un appui pour renforcer structure nationale santé publique et infrastructure de l'eau potable et assainissement dans le pays. Information que nous avons jusqu'à présent, à travers le ministre de la Santé publique, qui fait nous connaître que nous avons besoin de près de $400 millions pour éradiquer le choléra net dans le pays. Mais 400 millions de dollars de besoin que la santé publique gagne,
li pa rentre dans affaire compensation victime yo. J'avais dit fok Nations Unies qui était venu à choléra en Haïti à travers MINUSTA lui-même les prend responsabilité pour que victime yo yo compensé. Mercredi 26 septembre. Moi t'ai assisté dans notre forum, c'est Bloomberg Global Business Forum. Côté son gros événement, il y a plusieurs chefs d'État là, ancien président Bill Clinton, et il y a des gros chefs d'entreprise tout, qui étaient là, chercheurs dans gros universités en Asie, en Europe et en Amérique, étaient là. Et ils ont parlé, discuté sur les grands défis mondiaux, sur les affaires environnement et sur l'innovation technologique. Par exemple, il y a un président groupe Ford. États-Unis qui était là. Je voulais parler de compagnie qui fait machine qui est les Ford. Yo même yo gantan ap travay pour que yo mette sous pied nouvelle technologie yo qui permettent machine yo, c'est ça ou l'intelligence artificielle que je dis à cap développer dans monde là, que machine ça yo, c'est cas des machines intelligentes, nous dit des machines parfois qui gien doit courir sans chauffeur avec du côté machine là pour aller programmer les mener monde là et les garer pour compte lui. Mais pas oublier, je nous ai toujours dit, pour toute base que vous faites, vous préalable. Nous-mêmes en Haïti, nous pouvons même respecter préalable. Ça veut dire que nous pouvons courir. Ça veut dire qu'il faut courir 24 sur 24. Là, je nous toujours dit que tout nous parle chaque jour de l'indépendant sommaire. Il faut nous travailler pour une réalité. Je nous-mêmes nous travaillons du ici pour que les haïtiens, frères et sœurs, qui ont été gardés là, qui comprennent bien que. Courant, route, de l'eau, bagage à yo, yo pa ka gen tel parti politique la donne, l'autre la pa la donne. Tout moun, Jean, premier ministre, nan, nan mouman kampay li, slogan nan, c'est tout moun ki la donne. Nan zafè route, nan zafè de l'eau, nan zafè courant. Pa gen pays sous la terre ou ka parle de développement sans route, sans de l'eau, sans courant. Ça veut dire n'a pas parlé d'intelligence artificielle, de technologie. Ça veut dire faut courir courant avant pour aller. Ça veut dire l'on a besoin d'une infrastructure numérique pour gagner. Ça veut dire pour payer une data, pour payer un internet. De tout côté, faut courir une infrastructure électrique là qui permettre accès à l'électricité que dans zone rurale, que dans zone urbaine, pour nous capables réellement permettre jeunes. Parce qu'on paye côté sur chaque 100 monde qui vivent là-dedans, gagner 70 qui pourraient gagner 35 ans. Pays ça, son pays qui ont un gros potentiel, une potentialité technologique énorme, que nous-mêmes, nous toujours à ignorer, nous ne pas jeunes aux possibilités pour eux-mêmes, pour émanciper, pour tête. Et c'est pour ça que nous-mêmes nous disons, courant 24 sur 24 là, c'est là que nous allons. C'est là que nous allons, nous allons tout droit là-dedans. Et c'est seul ça nous met de compréhension, toute fois action, haïtiens, politiciens, ni politiciens qui, pour nous, ni ça qui compte nous, ni ça qui neutre. Faut nous tous mettre ensemble sur un projet commun, parce qu'on paye après 215 ans, il n'y a pas qu'à prêter pour l'enfer noir. Ça veut dire qu'il faut payer à une lumière, ça veut dire tout le monde net, suppose embarquer dans ça. Et il y a une décision difficile qui pour prendre. Le premier ministre qui l'a, nous connaissons le pari, pour une décision difficile pour prendre. Peuple là, tout faut parer, pour une maturité. Pour les décisions difficiles à prendre, pour qu'on ait que à prendre un intérêt pau. Parce que intérêt pau, c'est intérêt collectivité. Intérêt pau, c'est l'orgon pays, après 25 ans, qui a dit que l'on est meilleur que j'en ai hier, pour quitter l'autre pays pour génération qui a venu. Ça veut dire ça, nous clair pour nous dire que l'infrastructure n'est pas nécessaire, non, c'est obligatoire. Ça veut dire de l'eau pour mon bois, de l'eau pour mon rouge jardin. Courant pour moun si moun ka étudier les leçons yo bien, courant pour moun ka pour faire progrès dans nouvelle technologie, courant à bon marché pour moun ka faire industrie, son nécessité. Route pour interconnecter toute commune dans pays a, son nécessité que li, son obligation. Ça veut dire aujourd'hui nous même dans l'état, nous pas rien de choix, tout pendant n'a travail pour accompagner peuple là. Nous a fait programme sociaux, moi connais pour le ministre, il y a un gros travail à faire sous affaire apaisement social là, mais projet à moyen à long terme ça est nécessaire pour me dire obligatoire pour que pays a nous mettre sur route changement tout bon vrai. Après Bloomberg Global Business Forum non, nous t'ai rencontré dans bilatéral, ça veut dire réunion de deux avec
directeur général Fonds monétaire international là, et avec président Banque interaméricaine de développement BID. C'est madame Lagarde pour Fonds monétaire international et monsieur Moreno pour BID. Message nous a été clair. Nous avons discuté de nécessité pour financer les programmes sociaux. Parce que pendant que nous parlons de programmes à long terme, c'est ça que grand monde longtemps relon boucané pour tant bouilli. Faut que nous faut nous joindre moyen pour nous aider. Ça veut dire que nous avons vivre dans le quartier défavorisé. Nous avons faut nous venir en aide à nous pour nous permettre, c'est ça pour l'école qui est ouverte là. Ministère de l'Éducation nationale fait gros effort côté kit distribué 750 000 si moun qui dans l'école primaire pour nous préciser dans l'école l'état avec $50 diaspora il y a une décision qui prend toutes 750 000 si moun qui dans l'école l'état ça yo yo pas payé 5 l'état paye pour ça veut dire moun ça on t'ai parlé de financement programme sociaux et nous connaissons bien. Il n'y a pas répondre nous directement du qui leur a baillé comme là, mais il n'y a pas répondre d'une manière négative du. Il te dit que il n'y a pas regarder quel était Fonds monétaire, quel était Banque mondiale d'ailleurs dans un rencontre avec la Banque interaméricaine de développement. Parce que dans un rencontre avec Fonds monétaire, nous était clair que l'événement 6-7 juillet, il même c'est après ajustement prix pour du pétrolier. Côté, c'était une condition que Fonds monétaire te gagné. Côté bon accompagnement dans affaire support budgétaire pour l'autre lundi pour bon accompagnement par Fonds monétaire seulement tout l'autre partenaire financier et technique et nous t'ai parlé avec BID sous affaire investissement direct dans infrastructure j'en nous commencé à travers stratégie caravane changement nous à travail dans route dans tout pays mais malheureusement c'est pas tout le temps que nous avons possibilité, l'État haïtien, pour mettre, acheter quantité de gaz que nous avons besoin et payer, employer, techniciens, ingénieurs qui travaillent dans la route de Saratan. Ça veut dire que on demande de nous faire par rapport à BID que nous connaissons qui ont pile l'argent qui est dépensé dans le pays chaque année, comment pour être capable d'accompagner le ministère des Travaux publics, le ministère de l'Environnement, le ministère. Agriculture, santé publique, avec éducation nationale, dans infrastructure sanitaire, infrastructure scolaire, infrastructure routière, électrique, numérique et ensuite infrastructure hydraulique que nous avons mis dans le pays. Le président Bidla qui est très d'accord avec nous. D'ailleurs, il est d'accord avec le programme qui relève que nous avons essayé, Hélène dit, ce programme stratégique que nous avons essayé de mettre sous pied qui relève. Payer pour le succès. C'est on stratégie côté ou d'accord avec moi sur un projet, par exemple, projet construit caille, 2000 cailles qu'on a construit dans la zone Grand Sud là. BID d'accord pour le financer 200 cailles. Ça veut dire qu'il fin construit, nous avons un rapport que nous avons plus que 200 cailles étant fini. Mais BID accepté pour le vérifier. 200 cailles ça yo garder yo accepter et puis ensuite yo payer l'argent par rapport à succès. Ça c'est un bon programme nous même nous d'accord avec lui qui cap permettre par exemple l'état à travail, il pas obligé camper pour le temps en vent que cobla arrive dans mel pour lui même pour le venir dans service compatriote. Non, mercredi soir, m'ai rencontré plusieurs centaines de compatriotes. Dans Spring Valley, moi j'ai rencontré un pile monde New York. Un pile monde pas famille, amis, monde pas longtemps et nous t'ai passé documentaire 30 minutes sous 19 mois pour voir 19 mois de travail. Ça nous réalisé pendant 19 mois. Ça qui t'a attiré attention, le documentaire a fini. Ça là t'est venu bruyante. Un pile bruyant et puis ça mon t'a dit non, il y a quelqu'un qui a fait la caille, pas moi, pas elle. Ça veut dire, c'est un coup, nous voyons que nous condensons de 30 minutes, pas de possibilité pour te montrer mon nous, tout ça qu'a fait dans le pays, ensemble. Mais il y a même, par exemple, moi, j'ai un maniche qui dit, moi, pas ouais, oui, qu'a bétonné la caille, moi. Chaque monde a parlé de ça, ou pas ouais, qui a fait la caille, pas ouais. C'est comme ça, tout, il y a l'autre monde qui te dit que, il y a beaucoup de la caille. Mais ça, nous devrions dire, premièrement, pendant 30 minutes, nous allons montrer tout ça qui était fait. Mais deuxièmement,
nous pas de possibilité tout pour nous faire un miracle sur tout pays là non seule année pour toute route construire dans pays. Ça veut dire nous avons travaillé ensemble d'ailleurs c'est pas route seulement n'a fait nous bien nous avons construit l'école route centre de santé nous dans environnement nous dans réforme nous a fait administration publique là. Ça veut dire nous pas qu'à faire tout bagage ça yo un seul coup. C'est ça qui fait me profiter pour demander tout le monde patience qui cap permettre l'un a fait un travail puis il y a des travail pour cap fait ou rien doit pas ouais parce que travail le il y a fait non base yo faut base là fait avant on vient ouais c'est qu'on caille quoi construire. C'est pas toi qu'on fait avant on fait sol caille là c'est sol là construit avant cap pile travail cap fait par exemple route Carrefour Jean-François Fouleur qui grand pile monde qui a parlé nous même nous dit que route là nous t'ai dit son route cap fini dans 30 mois en septembre 2017 jodi a nous en septembre 2018 ça veut dire dans 30 moins 12 rete 18 mois ça veut dire ça qui arrive le fini avant ça qui arrive le fini après mais nous connaît route là en construction et mon nord-ouest cap garder là yo connaît que on pas ca tourner dans nord-ouest si route ça va fait côté m'a passé. Ça veut dire c'est pour nous rester tranquille pour nous connaître que route là tout demande moi te faire nous. On dans devant nous me demander nous voter après moi te fini le président, m'aller nous voter sénateur, demander nous vous travail moi qui pour te permettre mon se revenir courir dans affaire route nord-ouest là. Et on pensait que la bien faite c'est le budget national là sénateur avec député nord-ouest toujours voter dans sens positif là. La bien faite c'est le gouvernement veut une loi dans parlement, sénateur avec député nord-ouest voter dans bon sens pouvoir qui pour permettre nous-mêmes le ça n'a pour retourner ascenseur avec monde nord-ouest sous forme service. Jeudi 27 septembre, je vais parler de hier. Premièrement, j'ai assisté à une conférence sur financement et développement qui dégaine une cinquantaine de gros personnalités. T'es gain monde dans monde des affaires et puis t'es gain quelques diplomates de haut niveau. Par exemple, responsable USAID, responsable Agence canadienne de développement. Mais conférence ça a été faite sur nouvelle dynamique que nous on a parlé que à l'étranger, ils prennent très au sérieux. Là n'a dit que nous voulons suspendre dans chaque jour longé mais nous on mettait la donne et puis c'est un coup sur banou nous manger les bin bajam moi rien qui fait avec nous et yo même yo était même commencé d'accord pour yo commencer travail sur une nouvelle dynamique de financement pour développement pays une nouvelle dynamique cap chita par exemple sous affaire projet qui ca fait en concession en Haïti. C'est ça relé en anglais BOT bill operating transfer donc projet gros route projet téléphérique, projet train, projet, on sait le gros projet qui a fait sans l'État pas obligé de débourser comme l'État choisit projet, yo même yo vini yo étudier projet yo, et yo, si yo est faisabilité technique et financière là, il est capable le ça dit l'État maintenant nombre d'années que a rentré comme yo là au fin faire projet. C'est une réunion qui est très bien passé, il y a pile projet que nous avons parlé sur yo, mais nous attendons que moun sa yo yo paré d'ailleurs il y en a qui ont entendu presque la moitié hein, paré pour venir pour regarder en Haïti pour voir comment yo même yo capable de garder des gros projets de développement. J'en parler nous parler des projets de développement route l'en parler pour nous comprendre bien ça nous dit hein. Par exemple une route qui sorti Carrefour pour arriver Bon Repos maintenant bon seul route mais l'heure où sorti Carrefour aujourd'hui pour arriver Bon Repos après 4 5 heures de temps on l'autre groupe monde qui doit décider font l'autre route secondaire parce que ce loi nous voulons parler de convention sur affaire route dans le monde ou pas qu'à mettre station de péage ça veut dire pour nous payer route les son seule route d'accès gain mais si une deuxième route qui desservit même zone là ou rien doit sur deuxième route là ou décider qu'on y a un monde privé prend concession hein, et les mêmes li mette possibilité pour toucher l'argent que le construit route là. C'est ça relé route à station de péage. Ça veut dire c'est sous genre de programme ça, genre de projet ça que n'était pas là. Et nous t'ai parlé tout
sous affaire paix fort succès ça. Ça veut dire eux-mêmes, ils ont des formes de mobilisation de fonds qui sont à travers des obligations dans les affaires de développement. Moun kap gade la captain de qui qu'on a fait banque et finance en pile, ils comprennent ça les bon yo, ils comprennent ça les obligations pour développement. Et c'est des bagages qui t'a fait par exemple qui est garanti avec des gros partenaires financiers et techniques, la Banque Interaméricaine de Développement par exemple, il lui a garanti bon ça yo, yo ka y mettre en quantité beau et puis bid garanti li à travers Banque Centrale qui permettent que l'argent développement ou pas obligé tant c'est aide pour bon seulement mais aide yo ba ou qu'on a ou fait travail là yo vinn vérifier les gens nous te dit nous tout à l'heure et puis moun sa yo yo même c'est ça yo rele des bons à impact social. Yo fait bon, yo émettre bon ça yo obligation qu'on y a le travail yo fini travail ça yo fini hein, yo bail l'état haïtien autorisation pour dépenser l'argent ça qui était émettre dans non mais c'est des systèmes innovants net c'est des bagages modernes parce que faut pas oublier me dit nous pas continuer nous pas corriger nous pas innover en termes de financement nous pas camper dans même genre pour nous attendre mais nous pour nous attendre tout temps. C'est longer pour longer ben nous pour nous faire du travail. Et pays a, nous connaissons un pays qui étudie en pile. Haïti fin fort, j'aime toujours dire là. C'est à cause d'un pays qui quitte niveau doctorat. Nous pays a agrégé nous dans recherche. Tellement pays a fort dans l'étude. Pas une étude ou besoin. Dans pays là, il dit, si vous allez dans le ministère, ou pas besoin de nous. Là, nous chita là. Et pourtant, étude va jamais réaliser. C'est même j'ai tant travail moi qu'après à travers tout pays ministère travaux publics chaque temps pour le fond route et pour tendre étude là tu en fait déjà c'est râler le nonti ou à metel yo regarder c'est même j'ai avec Atibonite 4C centrale hydroélectrique que nous t'a construit sur Atibonite là mais étude là fini net paré étudier mais malheureusement jusqu'à présent le nonti wa ne pouvons pas exécuter pour mettre 32 MW pour les 3000 hectares dans la zone Atibonite. Mais tout ça, c'est forme de l'argent, ça on a parlé. Le, on mettait de l'eau pour irrigation, on mettait de l'eau pour faire subir le marché au bail courant, c'est pas encore jeté. C'est son investissement socio-économique qui est rentable. Ça veut dire le, on pays étranger, bail l'État haïtien, coûte maintenant sans ça. C'est pas encore qui jeté, ni c'est pas en charité que lui. Ensuite, moi, prononcer allocution dans le débat général 73e session ordinaire Assemblée générale Nations Unies. Et allocution ça nous était clair que tout le monde qui l'a capitaine de me la regardé me détendre. Nous te mettait accent sous de 2006 à 2016, bien plus passé 11 milliards de dollars qui entré dans le pays qui dépensé hein, qui pas entré, qui dépensé dans le pays dans affaires aide humanitaire et projet de développement en faveur d'Haïti. Et pourtant, le pays a pas une route, nous y a un problème de l'eau. Ah, nous avons un problème courant. Accès à l'électricité dans le pays, c'est 30% de monde qui a accès à l'électricité. Sous chaque 100 haïtiens qui vivent, il y a 30 haïtiens qui ont accès à l'électricité. Si nous comparons par rapport à Bahamas, sous chaque 100 bémiens qui vivent, il y a 100 bémiens qui ont accès à l'électricité. Nous comparons avec Saint-Domingue, sous chaque Dominicain qui vivent, il y a plus de 94 Dominicains qui ont accès à l'électricité. Jamaïque, c'est presque le même chiffre. Et puis nous-mêmes, nous là, pour nous faire un exercice simple. Dans le monde qui est dans les Caraïbes, sur 9 millions qui n'ont pas accès à l'électricité, il y a 7 millions en Haïti aujourd'hui. Dans tout le pays Caraïbes, il y a 9 millions qui n'ont pas accès à l'électricité en tout. Et puis il y a 7 millions en Haïti aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne pouvons pas d'accord que pour nous-mêmes, nous, à diriger un pays, côté électricité, ce n'est pas sous Mars ou bien dans la Lune, c'est sous la Terre. Que lié même avec tout l'autre pays et puis pour nous garder que c'est un domaine côté qui vient des ingénieurs, il y a monde qui fait doctorat en électricité en Haïti. Par exemple, conseiller dans énergie qui c'est directeur ANACEA, son jeune garçon qui m'a dit l'école ensemble avec lui qui font doctorat dans énergie électrique. Ça veut dire qu'on bon monde qui connaît dans pays et puis ça passé c'est un coup ouais monde yo 12 affaires mouton pas affaire cabrit. Jean grand monde dit ça veut dire que là pas intéressé. Eh bien, nous prenons une décision pour nous commencer à mettre les gens ensemble. Et on commence à faire bonne réflexion. Hein. Vous faites tout étudier pour nous capables de travailler pour les affaires courantes. Parce que 11 milliards de dollars. Et dans le discours, nous te faisons un bel exercice. Nous te posons quelques questions.
question nous te poser, nous te poser à tout gros dirigeant dans le monde là. Et réponse nous te baillon dans discours même nous te dit pour payer qui a possibilité un million carotte qui a fait jardin mais là dedans il y a 500 000 qui paraît pour vous demain matin. Il y a 50 000 seulement qui vous est 5% pour nous user l'autre 450 000 là. Haïti besoin 675 millions de dollars. Nous te dit ça dans discours. Nous dit que réseau électrique national là qui a tout un réseau numérique là, ça veut dire pour y a data dans tout pays là, qui t'a supposé coûter environ 400 millions de dollars. Nous dit dans discours. Nous parlons des affaires l'école. Pays a un déficit 15 000 salles de classe qui pour mettre l'autre 500 000 timoun qui pourquoi à l'école. Parce qu'il y a 10% de timoun qui pourquoi à l'école dans la société. Mais nous avons besoin de 15 000 salles de classe pour nous mettre. Là, nous faisons calcul chiffre avec l'école qui commence à construire déjà, avec prix de référence, nous avons besoin de 450 millions de dollars. Ça veut dire salles de classe, chaque a coûté 30 000 dollars. Nous disons ça. Et pourtant, là, nous faisons calcul comme ça. Qui ça a remonté par rapport à 11 milliards dépensés, plus que 11 milliards dépensés dans le pays pendant 10 ans. C'est pour ça que nous disons aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour nous blâmer qui, nous te disons dans le discours. Nous ne sommes pas là pour nous voyer Toya sous personne. Mais là, aujourd'hui, nous disons pour voir que le peuple a sauté devant nous, pour voir que le peuple a permis de nous diriger là, aujourd'hui, nous disons, quoi qu'il y ait entré dans le pays aujourd'hui, on voit si quoi ça a été plus utile. Ça veut dire quoi ça pour pas faire duplication. Ça veut dire c'est un coup d'environnement. Pour nous mettre pépinière dans tout le pays, nous te dit ça tout hier dans le discours. Nous avons besoin de 35 millions de dollars pour nous construire 14 gros pépinières qui mettent en disponibilité de 63 millions de pieds bois dans le pays. Et combien de pieds bois nous besoin par année pour nous reboiser Haïti net pendant peut-être 10 ans qui venir. Nous avons besoin de 50 millions de plantules chaque année. Et à 35 millions de dollars, nous avons construit pépinière pour produire 63 millions de plantules. Et pourtant, vous virez là projet reboisement, vous virez à gauche projet reboisement, projet 40 millions, 30 millions, 10 millions, 5 millions. L'homme était tout ensemble, pays a d'ailleurs, nouveau ministre environnement, il va le comprendre ni très vite. Ou va regarder pour eux, ou bien projet reboisement dans le pays qui presque dépasse 200 millions de dollars. Et puis l'État lui-même, il a besoin seulement 35 millions de dollars pour construire toute pépinière. Et puis peut-être pour construire pas des gros pépinières pour ça ne va les 14 jours, des petits pépinières qui pépitent sur l'île adjacente, tant pour des îles, tant pour l'île à vache, Boscaï, l'île de la Gonave, l'île la Tortue et les Caïmites. Et qui pour permettre des petits pépinières pépitent, qui pour permettre que nous ayons bien bois, que nous avons planté tout le coton dans le pays. Mais tout projet ça, regarder ces duplications. Et nous-mêmes, je dis, nous prenons engagement, nous disons pieds bois. Une organisation non gouvernementale ou un projet pour reboisement, ou pas besoin de planter pieds bois. L'État met pieds bois à disposition. Seul bagaille, les petits chouchous à venir pour reboisement, font un coup d'œil dans le ministère de l'Environnement. Pour nous, parce que nous avons pieds bois déjà. Ou pas même besoin de produire pieds bois. Et quel que soit le côté dans le pays, Nabdou, ministère de l'Environnement, Nabdou, dans tel sens, d'ailleurs, c'est nous-mêmes. C'est ministère qui est responsable des affaires reboisement dans le pays. C'est ministère qui connaît qui zone d'ailleurs tout étudiant là pour nous produire tel arbre fruitier, tel arbre forestier. C'est pas tant que vous-même qui se sont composés par exemple en Europe, en Amérique, pour venir nous venir dire mais qui pied bois pour planter pour moi. C'est moi qui l'a, c'est moi qui pour connaître dans la grande danse, moi besoin de l'âme véritable. Dans le sud, moi besoin de coco. Dans le plateau central, moi besoin de mango. Dans la zone nord-est, moi besoin de planter noir. Ça veut dire que le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture, mais tête ensemble, yo même aujourd'hui, yo connaît exactement qui ça a besoin pour l'argent contribuable, l'argent moun qui a contribué dans non l'État haïtien, dans l'autre pays, suspendre, gaspiller, suspendre, dépenser dans de l'autre bagaille que ça yo même moun yo baille l'argent qui pour faire. Après ça, dans jeudi soir, moi t'ai rencontré avec secrétaire général des Nations Unies, hein, je voulais parler de M. Antonio Guterres. Et il y a deux sujets que je prends avec lui. Deux sujets. Premier sujet, c'est sous affaire choléra. Et deuxième sujet, je vais parler avec lui, c'est mission MINUSUS, là, qui nous connaît que mission a gagné un an déjà. Il était un an. Je vais parler avec lui, je vais dire que moi-même, le ministère
a quitté le pays. Et dans la campagne électorale, je me suis dit, si mon critique m'a fait, c'est pour transfert de connaissances. Par exemple, MINUSTA qui s'est fait. Plus de 10 ans en Haïti, tu es un bon expert dans les affaires police qui était dans le MINUSTA. Et pourtant, transfert de connaissances là, à travers la police nationale, je n'ai pas senti le fait. J'avais dit, connaissances qui ont deviné avec l'IA, n'est pas transféré par acteurs nationaux. Et c'est pour ça que je demande que Ndil, à travers mission ça, MINUSUS, qui est même son mission de transition, comment que tu as travaillé étroitement avec la police nationale là, pour nous être capables de faire transfert de connaissances ça. Il était très d'accord avec moi. Il te dit que, et je crois que madame la lime de la tout, il te prend note. Sous ça, madame Chiron de la pour affaires choléra, pour nous voir comment pour la police là qui a bénéficié plus de expertise mini juste là pendant dernière année que l'a fait. Et forme dit dernier petit bagage me dire ces affaires on coûte mais que me demander pour on compréhension notamment de pour fonds monétaire, ça veut dire bailleur partenaire financier technique, yo gagne de situation pays vulnérable. On paye tant coup Haïti qui sont pays à chaque temps nous pour lever camper et puis c'est un coup ouais depuis nous casse encore. Nous te regarder qui ça fait à partir de 2009, pays a te commencé à prendre route pour la sur route progrès, nous pour un tremblement de terre, 300 000 monde mourir, pays a font pas de tourner net. Élection dans mi-temps élection 2016 jours, dans mi-temps élection, pays a un cyclone. 4 départements sur 10 dans pays a ravagé net. Et il y a 7 départements qui touchés. Ça veut dire, jusqu'à présent, dans 4 départements, nous avons travaillé sans camper. Et c'est temps que nous croisons les nous pour nous dans une saison cyclonique, pour nous prier, bon Dieu, pour dire que le cyclone n'a pas papa Haïti. C'est pour me dire nous que Haïti est un pays qui a une situation spéciale, qui a un traitement spécial. Moi, j'ai demandé au secrétaire général des Nations Unies pour te parler avec gros partenaires pour nous, tant que le Fonds monétaire international. Elle te ban nous garantit qu'elle te fait ça déjà pour la Jordanie. Il va laisser faire pour Haïti pour une souplesse dans mesure. Parce que là, il a demandé nous, il a fait nous des exigences. Parfois, exigences, il a mettre démocratie qui fébrile nous en péril. Et démocratie, ça a que nous tous chers Ali, c'est ça qui permet que je dis, moi je suis dans un pays étranger, mon seul choix, c'est venir camper, bail peuple là, rendre peuple là compte. Devant la presse, sur ça, nous sommes fait. C'est ça, exercice démocratique, ça, je dis à nous. Hein. Nous ne sommes pas perdus. Qui commençait doucement, mais nous pas aller sur une route sûrement. Alors, le secrétaire général, là, il était d'accord avec moi. Il te dit, moi, que il pourrait parler pour que nous gagnions même traitement, pour me dire, plus bon traitement que cause nous mériter. Parce que Haïti, je dis, hein, j'aime toujours dire, c'est nous tous qui pour mettre ensemble. Moi-même qui là, nous avons mon pouvoir qui part pour tout le temps. Le 5 ans pas fini de boire, ils sont l'autre président qui a venu. Mais pendant là, l'orientation que je dis nous dans la campagne, que je m'appelle pays, c'est difficile. Mais il faut nous campagne. Parce que pas un pays sur la terre qui a vivre sans route, qui a vivre sans l'eau pour boire, sans l'eau pour nous jardin, qui a vivre sans courant. Merci un peu. Merci, merci Son Excellence Monsieur Jovenel Moïse. Merci à vous tous de votre participation. Je rappelle qu'il s'agissait purement et simplement d'un point de presse, donc pas de questions. Bonne route et excellent week-end. Voilà, mes amis téléspectateurs, t'attendez déclarations, t'attendez eh bien conférence en bilan, président de la République là lui-même. Libaye sous diverses rencontres que le terrain ensemble avec différents partenaires ou bien bailleurs de fonds ou bien maman haïtien cap vivant dans pays l'étranger. Donc président dit il était parlé de tout problème pays d'Haïti à confronter et même chiffrer quelques domaines pour faciliter eh bien mon cap aider Haïti yo, mon cap bail Haïti l'argent yo bailleurs de fonds yo même pour yo capable
capable bien orienter décision y a bien pour prendre. Donc président République l'a dit entre 2006 à 2016 et eh bien Haïti lui-même lui recevoir en aide ou bien en don 16 millions de dollars. Donc cependant il pas senti et fait l'agence ça et bien dans le pays d'Haïti. Donc dans sens ça il mandé population hein, pour yo comprendre travail li et pour yo prendre patience parce que li pas capable de faire tout bagay en même temps. Donc c'est une raison qui fait li parler clair et net de toute salle discuter à l'étranger yo façon pour population hein capi bien comprendre et bien j'ai fort la faire li même pour le mettre pays a sous rail développement durable. Donc nous s'attendez ensemble avec moi tout sa président dit et bien engagement li même li prend et décision tout y a bien pour yon prendre une façon pour mettre Haïti sur le développement. Nous sommes contents ensemble avec vous, amis téléspectateurs. Donc c'est un plaisir pour nous te servir. Nous disons merci parce que vous te permettez nous porter information yo ba ou la caillou quel que soit côté. Donc nous devons te brancher reste programmation yo et télévision nationale d'Haïti.